Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Infos Express. Aujourd'hui, on aborde un sujet brûlant en Algérie, le refus de Cheb Khaled et d'autres artistes algériens de participer à un clip de campagne en faveur du président Abdelmadjid Tebboune. Restez avec nous pour découvrir tous les détails de cette affaire. Le légendaire Cheb Khaled, connu comme le roi du rail, a récemment décliné une proposition pour participer à un clip de propagande en faveur du président Tebboune. D'après nos sources, une équipe a été envoyée par un conseiller de Tebboune pour tenter de convaincre Khaled de chanter dans cette chanson dédiée à la gloire du président, qui prépare sa candidature pour un second mandat. Khaled a poliment refusé cette offre, expliquant qu'il ne veut plus associer son image à la moindre action politique en Algérie. Mais ce n'est pas la seule raison. Le chanteur a été sévèrement critiqué et persécuté médiatiquement depuis le début du mandat de Tebboune, en grande partie à cause de ses liens affectifs et familiaux avec le Maroc, un pays souvent diabolisé par le régime algérien. Entre 2021 et 2024, Cheb Khaled a subi une avalanche de critiques pour ne pas avoir soutenu son propre pays contre le Maroc. Cette période difficile l'a profondément marqué, au point qu'il a cessé de faire des apparitions publiques en Algérie, prenant ainsi ses distances avec son pays natal. Enfin, nos sources indiquent que le clip de campagne pour le second mandat de Tebboune sera finalement réalisé par une artiste algérienne dont l'identité reste à dévoiler. Le projet est encore à ses débuts, et la campagne électorale officielle débutera en août pour les élections anticipées du 7 septembre prochain. Voilà pour les dernières nouvelles sur cette affaire. Qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires ci-dessous, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité. À très bientôt sur la chaîne. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.